Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo TACMI, voilà, Nadra sur la chaîne Les Idées de Nadra, oui c'est ça, je le mettrai de toute façon, je dis peut-être mal le nom de la chaîne, je le mettrai en point i, voilà, et puis en barre d'infos. Donc elle organise un tag, comme dit le titre TACMI, c'est on lui pose trois questions. Il s'agit de faire un tag avec ce kit de tag de chez Action. Voilà, je vais commencer par le début. Voilà, et il faut utiliser trois dice, quoi. Trois dice tag. Moi, j'ai utilisé les trois. J'ai utilisé le petit, la petite découpe pour faire le yeah. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé sur ce dice. Je vais présenter d'abord ce que j'utilise. C'est dice de chez, je crois que c'est Coco Rosa. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je sais plus. Enfin bref, on les a vus sur les chaînes tourner, circuler. Donc voilà, je crois que c'est Coco Rosa. Et puis en tampon, des tampons de chez Cultura que j'ai depuis longtemps, qui sont tachés. Avec la Stetson verte. Voilà, celui-ci et celui-ci. Peut-être pas tous, hein, mais enfin, bref. Vous verrez bien. Hein. Donc voilà. J'ai utilisé trois tags. Donc, à l'arrière, il y a le tag moyen. C'est-à-dire. Ah! C'est-à-dire celui du milieu, voilà. Le moyen. Sur lequel on doit tamponner. Tag mis en haut. Il faut poser trois questions à Nadra. Voilà. Et puis là, on met notre nom de chaîne, si j'ai bien compris. Enfin, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Elle va répondre à nos questions dès qu'elle aura notre courrier. Donc, trois questions pour Nadra. D'ordre privé, non. D'ordre général, oui. Voilà. Et puis voilà, je mettrai les informations en barre d'infos sur ce qu'il faut mettre, tout ça, à l'arrière du tag. Voilà. Donc ça, c'est pour l'arrière. On va le mettre là. Donc, un grand. J'ai coupé avec le grand dies un noir. Après, avec le moyen, avec de l'acrylique où j'ai nettoyé mon pinceau. Voilà. C'est un mélange d'acrylique blanche-marron. Blanche et marron, c'est tout, je crois, et un peu de jaune. Voilà. J'ai nettoyé mon pinceau, j'ai essuyé dessus, et voilà. Donc ça va aller comme ça. Et celui-ci, il va aller là. Voilà, c'est le plus petit. Donc je vais enlever ça. On va faire de la place, hein, n'est-ce pas? On va faire du tamponnage avec les tampons de chez Cultura, qui ne sont pas sortis depuis longtemps, sur le fond. Donc c'est un fond au sisal. Hein. Donc, je l'ai fait avec vous en vidéo. Voilà, je le mettrai en fiche, en point i aussi en haut. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Vous avez vu. Donc, on y va tout de suite pour les tamponnages. Bon, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises avec ma vidéo parce que, au lieu de mettre en pause quand je dois m'arrêter, j'arrête ma vidéo. Donc, quand je reprends ma vidéo, l'image est à l'envers. Je ne comprends pas. Bref. Donc, je ne vais pas arrêter, je vais continuer. J'espère que personne ne va me déranger, n'est-ce pas? Et on va se tamponner des petits tamponnages. Je ne sais pas si je mets celui-là, il est un peu gros celui-là. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre une petite feuille derrière. Là, je vais mettre ça. Je vais mettre le cercle chromatique derrière. Ouais, c'est ça. Toujours utile, je n'en utilisais pas avant, mais maintenant je trouve que c'est bien pratique pour faire les mélanges de couleurs. Donc allez, Stetson parce que c'est de l'acrylique, n'est-ce pas? Je vais mettre un tamponnage là. Voilà. Un autre plus grand de l'autre côté. Voilà. Et un
différent. Donc je vais peut-être mettre celui-là, il est tout fin, là, il est tout joli. Il est tout joli. Juste des pointes. Je viens de terminer mes envois cisales. J'espère que les copines vont s'éclater avec. En tout cas, moi, j'aime bien. Franchement, j'adore le fond. J'adore ce que ça rend. Voilà. Et un petit coup là. Et voilà. J'ai enlevé mon encre. Mon tampon, je mets là. Et puis on va faire notre assemblage. Donc le noir. Est-ce que je mets un petit peu d'encre autour de celui-là? Allez, on va essuyer le tampon. Je sais pas ce qu'il y a dessus. On dirait de la rouge, de la rose ou de la orange, je sais pas. On voit pas avec la ce qu'il y a sur mon fond. Donc on devine que c'est une colorée, mais bon, c'est une qui me sert pour les patouilles, donc 5 en patouille, allons-y. Voilà, super. Et bon, on va faire celui-là pareil, hein. Allez, on va peut-être voir mieux la couleur de l'angle. Ouais, c'est de la vintage photo, mais bon, ça c'est le truc patouille, donc d'ailleurs on voit bien le je viens de faire une carte pour ma dernière copinette qui m'a demandé pour Michel, qui m'a demandé du cisal. Donc voilà, voilà, on met ça de côté. On va coller notre petite fille que j'ai découpée dans le avec les dies que vous avez vu tout à l'heure. Donc je vais la mettre là. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Est-ce que je la mets en 3D? Non. Non. De la colle. Donc c'est pareil, hein, c'est réalisé dans des fonds patouilles. Derrière, j'ai coupé un morceau de papier que m'avait offert Isa, une chute de papier que j'ai gardée. Donc voilà, on va coller cette petite fille derrière. En mettant bien de l'encre, de la colle tout autour et un petit peu au milieu. Et voilà. Elle est dehors, tranquille, avec son chat à côté. Donc, on va coller un petit chat. On va coller le petit chat. Est-ce qu'on lui met un petit peu d'encre sur son dos? Allez. Sur sa queue. Histoire de le mettre un petit peu en relief. Ouais. Un petit peu là aussi. Voilà. Super. Un petit peu de 3D peut-être. Allez, un petit peu de 3D. De 3D que je n'ai pas pris. Je crois que je l'ai sorti pourtant. Comme d'habitude, j'ai oublié. Hein. Eh bien, on va mettre celui-là, il n'est pas terrible. J'aime mieux celui que j'avais sorti, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je n'aime pas celui-là parce qu'il fait 3D, mais quand on le met derrière les. Il faut que je finisse ce que j'ai et que j'achète du bon. Parce que là, ça ne va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout. Donc, je vais coller ça comme ça. Voilà, hop, je vais couper le surplus,
Alors, elle fait un petit concours. Donc, c'est une foire aux questions, en fait, hein, mais sur tag. Voilà, chaque personne pose la question et lui envoie son petit tag. Et quand elle ouvre le courrier, elle répond aux questions. C'est pas une mauvaise idée, hein. Je voulais faire une foire aux questions aussi, mais je trouve que c'est une bonne idée comme ça avec un tag. À voir. Alors, on va coller le titre. Touride. Ça fait un peu long, hein. Love to read, relax. Je vais mettre love to read. C'est tout. Je pense. Et je vais ancrer un petit peu parce qu'on va pas voir avec ma faune que j'ai mis. Ou ma flore et tout. Je vais ancrer le haut de mon titre. Je vais même l'ancrer carrément. Tout autour pour qu'on le voit mieux. Voilà. Ah. Facile à ancrer, hein, les petits titres découpés comme ça. Voilà. Je reviens de la promenade avec mon toutou. Il dort, il est juste derrière moi. J'ai juste le temps de faire mon petit tag pour Nadra. Les idées de Nadra, voilà. La boîte à idées de Nadra. Exactement. Je vais mettre comme ça. Parce qu'il faut quand même qu'on le voit. Hein. J'aurais pu le mettre en noir aussi. Mais bon, voilà. C'est pas fait, c'est pas fait, hein. Je vais coller aussi ma petite truc quand j'aurai monté le tout. Bon, ben on va coller avec du médium. Voilà, médium mat. Je vais coller mon titre. Même plus en quelle heure c'est. Oh. Voilà. Tac. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Assez. Oh. Heureusement que ça se voit pas en séchant. Oh là là, catastrophe, Annie, catastrophe. Non, non. C'est ça qui est bien avec le médium de collage, comme ça, on ne voit pas en séchant. J'espère. Je prends pas celui-là d'habitude. Voilà ce que ça donne. Donc on va le coller sur le celui-là. Le fond coquille d'œuf que vous verrez prochainement transformé pour une créa. Voilà. J'essaierai de faire avec vous la colle. Là, je suis un petit peu débordée en création. J'ai plein de trucs à faire. Je peux pas tout faire en vidéo parce que je fais ça le soir et puis la lumière le soir c'est pas top. Donc j'essaie de faire un maximum avec vous, mais c'est pas évident quoi. Hein. Hop, et voilà. J'ai deux autres fonds patouilles de prévu.
Je ne sais pas dans quel ordre ça va être fait, hein. Si c'est avant la carte à Nadra, enfin le tag à Nadra, ou si c'est après. Hein. Voilà. Ensuite, là, je mets de la colle aussi. J'en mets pas beaucoup, hein. Ça colle pas beaucoup, ça coule pas vite, donc voilà, hein, j'attends que ça coule tranquillement, et voilà. Et hop, 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 bien droit, et voilà, tac. Je sens que sur les livres, je vais y revenir. Hein. Je les regarde. Plus je les regarde, plus je me dis qu'il faut faire quelque chose. Donc, on va faire ça après. Je sens qu'ils ne vont pas échapper au petit coup de crayon. Voilà, voilà. On va se faire ça propre. Voilà. Bien centré et hop et voilà, c'est pas centré centré hein, je dis centré mais je centre pas hein. Voilà, ensuite et ben j'ai dit que j'allais revenir sur le, je vais peut-être prendre les petits crayons dorés là, les petits crayons dorés. Ouais, celui-là. Et puis je vais faire des petits traits dessus, histoire de vieillir ce livre, ces livres. Voilà. Là. Avec des pages dorées. Il y a un mélange de vintage, d'un peu de tout. Hein. Voilà, j'aime tout, alors bon, je fais tout. Hein. On ne changera pas. Hein. Voilà. Un petit coup de doigt. Ils sont bien ces crayons. Crayons de chez Lidl. Voilà. Et il ne sèche pas tout de suite, donc on peut encore les retravailler avec le doigt, c'est ça qui est magique. Voilà. Voilà. Là aussi. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, donc je vais lui mettre un petit ruban. Le trou est gros, donc je vais essayer de passer comme ça. Petit ruban rose. Je sais que Nadra, elle aime bien le rose. Hop. Et voilà. Un petit coup de ciseau. Voilà, voilà. Un petit coup de brûle-brûle qui est là. Voilà. Donc voilà mon tag. Mon tag pour Nadra. Je vous invite à participer à sa foire aux questions avec ce petit tag. Donc je vais remplir tout l'arrière que je vais coller comme ça. Voilà. Tout l'arrière avec mes coordonnées. Et puis, et les trois questions, et la phrase positive, ou le proverbe, voilà, en bas. Voilà ce qu'il faut mettre, exactement. Donc, je vais finir ça tranquillement. Je vais écrire ça à plat, avant de le coller, pour que ce soit plus propre.
Je vous mets des photos à la fin, comme d'habitude. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!